Comme vous allez le voir, aujourd'hui nous nous sommes fumés régulièrement, toujours sur des chemins étroits, empierrés, avec des côtes et des descentes, des chemins difficiles que nous empruntons tous les jours depuis notre départ. Nous ne faisons que 12 km à peu près en moyenne pour protéger Windsky qui ne peut pas faire plus à cause de la chaleur. Une chaleur écrasante. Voilà, je vous confie ces nouvelles images de cette journée. Bisous à tous! Petite pause casse-croûte où il y avait un point d'eau. On est à 15e jour de marche, je crois. 15 jours de marche, 15 jours de difficultés. J'ai pas vécu ça sur le chemin, sur le Tour de France. C'est beaucoup plus dur. Tu me coupes la route là. Allez. Je crois qu'on est sur un tapis volant. Au fur et à mesure que ça monte, le chemin il monte. Ça ne descend jamais. Jamais. Il faut vouloir aller chez toi et la rivière qui me conduit. Délaisse villes et villages, chez toi c'est encore plus petit. Quatre maisons dans la montagne, tenues dans les bras d'un pays. Une chapelle, une cascade,
une enseigne qui dit c'est ici. Posé au cœur de dame nature, je n'ai pas oublié le chemin. En d'autres lieux je me serais perdu, mais de chez toi je me souviens. Il y a des couleurs d'autrefois qui vous inondent comme un parfum. Ta maison c'est comme une escale, je suis arrivé, je me sens bien. Toi tu tricotes l'amitié à point précis, à point serré, comme nos grands-mères ont dû le faire pour les tourmentes de l'hiver. Qu'il est bon ce grand feu de bois, qu'il est bon de venir chez toi. C'est une place de marché, une caverne d'Ali Baba, le mot magique pour y rentrer, un beau sourire et ça suffira. Un rendez-vous, un magasin, resto, bistrot ou salon de thé, poste restante et dépôt de pain, dernier bastion d'une vallée. On vient te voir comme on respire, la cloche ne fait que tinter. Si t'as pas le temps de nous servir, c'est encore mieux, on va rester. Rester avec de la musique, chez toi Mozart est invité. Chez toi c'est un peu atypique, et d'en partir je ne suis pas pressé. Toi tu tricotes l'amitié à point précis, à point serré, comme nos grands-mères ont dû le faire pour les tourmentes de l'hiver. Qu'il est bon ce grand feu de bois, qu'il est bon de venir chez toi. Tu as le talent d'un artiste entre peinture et aquarelle. Dans ta minuscule boutique, c'est comme un sapin de Noël. Et comme tu as un jardin qui est pour toi ta deuxième maison, tu nous inondes du parfum de chaque fleur de toute saison. Et puis les soirs de lune grise, quand le hameau est déserté, tu fais le plein de plein d'amis pour y partager la veillée. Y'a plus de table, plus de boutique, juste des chaises bien alignées, une guitare, de la poésie et l'émotion du verbe aimer. Ton oreille. Ton oreille. J'ai pas encore sauté, non. Je viens après, je te rappelle juste que c'est pas grave. Allez, 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 allez. Thank you.
Toi tu tricotes l'amitié à point précis, à point serré, comme nos grands-mères ont dû le faire pour les tourmentes de l'hiver. Qu'il est bon ce grand feu de bois, qu'il est bon de chanter chez toi.